Imagine, tu promènes ton chien, tu tombes sur 400 000 euros et t'en récupères la moitié. La promenade la plus rentable du monde. C'est ce qui est arrivé à deux couples dans le Var en 2021. Ils promenaient leur chien vers Lalonde quand ils ont trouvé un sac poubelle. Dans le sac poubelle, une boîte en métal. Et dans la boîte en métal, 4 liasses de 500 billets de 200 euros. Je multiplie par 4, je pose 1, ça fait 400 000. Sauf que les promeneurs, ils sont sympas, donc ils l'ont signalé à la gendarmerie le lendemain et une enquête a été ouverte. Mais ça fait 2 ans et rien. Même pas le quart de la moitié d'une explication à pourquoi ce sac était là ce jour-là. L'affaire, elle a été classée le 7 juin dernier. Du coup, comment on fait? D'après la loi, il y a déjà 50% de l'argent qui revient au propriétaire du terrain sur lequel il a été trouvé. L'endroit étant la propriété de la commune, la ville de Lalonde se prend la moitié. Et le reste revient aux promeneurs, soit 200 000 euros à diviser entre les deux couples. Bon, en août, ils ont envoyé un courrier à la ville pour qu'on leur reverse la totalité de la somme, mais ça a pas marché.